On vous souhaite la bienvenue à ÉricLatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à un artiste de la région que vous avez vu à la première édition de La Voix, il y a 2 ans, à TVA. Il s'appelle Jeffrey Piton. Il chantait principalement en anglais. Cependant, il nous offre un premier album entièrement en français, album nommé La Transition, et également un premier vidéoclip sur la chanson Bricolé. On passe la demi-heure qui vient avec Jeffrey Piton. Après le lancement de l'album La Transition, voici donc le premier vidéoclip bricolé de Jeffrey Piton qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric, merci de m'avoir invité. Ça va faire plaisir. Les choses vont vite, les choses vont bien. Parle-nous un peu de ta dernière année parce que souvent, même dès des dernières années, je dirais, parce que souvent les émissions de télé, puis j'en parlais avec Valérie Lahaye il n'y a pas longtemps, il y en a qui, malheureusement, sombrent dans l'oubli et la dépression une fois le pic de la visibilité passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après La Voix? Bien, en fait, moi, tout de suite après La Voix, j'ai décidé de faire le plus de spectacles possible pour aller rencontrer justement les gens qui m'ont écouté pendant l'émission. Je trouvais que c'était important puis c'était la première chose à faire. Vu que j'avais déjà mon matériel puis je roulais ma bosse un petit peu, j'avais déjà du matériel assez pour faire un spectacle. Fait que j'ai décidé de me promener un peu partout. Puis, j'ai fait ça tout l'été. Puis après ça, j'ai décidé de m'enfermer puis d'écrire des chansons pour faire mon album éventuellement. Évidemment, et c'est drôle aujourd'hui parce qu'en préparant l'entrevue, je regardais encore sur ton site Internet. Puis d'ailleurs, il y a une petite bio qui nous indique un peu ce que tu as fait avant La Voix. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte, puis c'est ton cas, puis c'est le cas d'un paquet d'autres aussi, que je veux dire, tu étais un artiste avant La Voix. Là. Oui, absolument. Tu faisais des trucs, tu as gagné des concours, tu as participé à des affaires. Fais-nous un résumé de qui était Jeffrey Piton avant La Voix. Bien, ça a commencé plus sérieusement quand j'avais ouvert pour Dumas à Saint-Jean au Cabaret Théâtre. C'est là que j'ai pris goût à la scène, puis j'ai pris goût au projet. Après ça, je me suis inscrit à un concours avec mes premières chansons à Virgin. Ouais. C'était un concours Canadian Radio Star, ça s'appelait, puis ils faisaient passer des finalistes à la radio. C'est la première fois que j'avais passé à radio, j'étais bien content. Ça m'a mis de la motivation pour la suite. Fait que après mon deuxième mini-disque que j'ai ouvert pour Pascal Picard, je me suis promené un peu avec elle. J'ai gagné de l'assurance beaucoup avec Pascal. J'ai pris des notes en la regardant jouer puis en pratiquant aussi avec elle. Puis après ça, il est arrivé La Voix. Puis ça, il y a beaucoup de monde qui m'ont découvert à La Voix, mais ça fait. Comme tu dis, ça faisait déjà un bout que je pratiquais mes affaires. Comment avais-tu réussi à bâtir ton réseau de contact avec, entre autres, Pascal Picard, Dumas et d'autres artistes également que tu as côtoyés ou que tu as fait la première partie? Comment as-tu réussi à t'insérer dans ce petit milieu là, qui est très petit? C'était souvent des questions d'être à la bonne place au bon moment, puis juste de se présenter, on dirait. J'avais des coups de chance. Il y avait Julien Hald de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'occupait des spectacles à Saint-Jean. C'est lui qui m'avait glissé en première partie de Dumas. C'était pas prévu. Fait que c'était tous des petits coups de chance, un peu par-ci, par-là. Dans le fond, il y a une opportunité, tu la saisis, tu en profites au max. Exactement. Donc ça, tu l'as fait avant La Voix. La Voix, en même temps, on le sait, c'est un show de télévision. Oui. L'objectif, c'est de ramasser le plus de codes d'écoute possible. Oui. Non, mais c'est ça. On est à la télé privée, puis c'est ça, la business. Maintenant, comme artiste, comment on fait pour dire, regarde, je vais... dans le fond, pomper tout ce que j'ai à pomper. Là, je vais, dans le fond, maximiser toute la visibilité que l'émission me donne. Tu as quand même fait un bon chemin aussi dans l'émission. Oui, j'ai fait 4 performances. Ouais. 4 performances. Ouais. Donc, 4 dimanches à 2,5 millions de téléspectateurs. Ouais. Ça donne quand même un peu de visibilité. La page Facebook a dû exploser dans les jours. C'était vraiment incroyable comme expérience. Ouais. Je ne m'attendais pas à me rendre aussi loin que je me suis rendu. Je pensais faire 1 ou 2 étapes. As-tu senti un vide après? Oui, mais je m'y en attendais. Fait que ça a été vraiment moins pire. On dirait que la plupart du monde qui ont probablement déjà des chansons puis qui savent déjà un petit peu c'est quoi de faire ça, je pense que la plupart de nous, on s'en attendait que ça monte puis ça redescend. Je savais que j'allais être la saveur du jour pendant quelques semaines puis qu'après ça, ça allait redescendre. Mais ça m'a jamais vraiment importuné parce que je savais que je travaillais sur du matériel puis que j'avais quelque chose à offrir, tu sais. Fait que... En même temps, quand on t'a connu à La Voix, tu étais principalement un artiste qui produisait des trucs en anglais. Oui, ben en fait 100%. 100% anglais. J'avais jamais fait de francophone, jamais. Et là, au cours de La Voix, on t'a finalement initié. Oui, ben c'est drôle comment c'est arrivé parce que après mes 2 premières perfos qui étaient en anglais,
Stéphane Laporte, Marie-Mie, on dit bon, ben, il va falloir en faire une en français. J'en connais pas beaucoup, tu sais, j'étais un peu pas barré, mais j'avais peur de me planter, on dirait. Pourquoi? Parce que j'en ai jamais fait. J'en avais jamais fait, puis j'avais jamais, pas que j'avais jamais eu l'intérêt d'en faire, mais c'est juste l'occasion s'était jamais présentée. C'était comme un choix naturel d'y aller en anglais, parce que ça allait avec ce que j'écoutais, puis ainsi de suite. Mais ils m'ont proposé une chanson des bébés. Je l'ai revisité à ma façon, puis le fait de la revisiter, ça m'a comme fait apprécier un peu la langue, puis l'espèce de challenge que ça apportait. J'ai vraiment aimé ça. Donc, tu t'es mis à chanter du français durant la voix. Oui. Ça, c'était au printemps 2013. Oui. Donc, ça fait déjà 2 ans. Oui. Le temps passe extrêmement vite. Absolument. Et donc, printemps 2013, tu es sur une lancée, visibilité oblige par la voix. Et là, tu te dis, dans le fond, je vais faire le plus de spectacles que j'ai à faire. Exactement. Pour que les gens se souviennent de moi, là. Oui. Donc, tu as parcouru le Québec un peu. Oui, bien, j'ai été chanceux aussi, justement, dans cette épopée-là. J'ai un de mes amis qui m'aidait à organiser les spectacles, puis il connaissait quelqu'un qui s'occupait du festival à Lévis. Donc, j'ai eu la chance d'ouvrir pour Vincent Vallière. J'ai eu plein de belles opportunités comme ça. Puis, justement, en sortant de la voie, le monde, il se rappelait, j'étais qui. Je pense que ça l'a aidé aussi à ça. Mais je me suis promené bel oeil, j'ai même été jusqu'à Alma. Je ne pensais jamais aller là de toute ma vie. Et là, les gens te reconnaissent parce qu'ils t'ont vu à la télé quelques mois auparavant. Oui, bien là, ça s'est recalmé là, parce qu'il y a eu 2 saisons après. Fait que j'ai un peu retombé. Mais c'est ça qui est bizarre parce que même, vois-tu, avant de débuter l'entrevue, j'avais comme le souvenir que c'était pas si loin que ça, mais finalement, toi, tu étais de la première édition. La première édition, oui. Ouais. Et là, celle qu'on vient de voir, c'était la troisième. La troisième, puis il va y avoir une quatrième. Puis il va y avoir une quatrième. Ouais. Donc, on oublie parfois les gens de la première, de la deuxième. Ah, c'est normal. C'est normal, parce que comme tu dis, c'est un peu la saveur du jour. Donc, tu dis, dans le fond, printemps, été 2013, beaucoup de spectacles. Au cours de l'hiver 2014, est-ce que c'est là, à ce moment-là, que tu t'es un peu reclus pour commencer à écrire? C'est exactement cette période-là. J'ai comme une petite pièce dédiée dans mon 4,5. Juste pour ça, je me suis construit un petit home studio, qu'on dit. Fait que je fais mes maquettes. Puis, justement, en sortant de la voie, j'ai rencontré David Laflèche, qui m'a dit, viens-t'en chez moi, on va faire de la musique ensemble. Il avait bien aimé ce que je faisais, puis ça a cliqué, fait qu'on a décidé qu'on allait faire l'album ensemble. Fait que moi, je faisais mes maquettes, je les envoyais par courriel, puis pendant 1 an et demi, j'ai fait ça, j'ai envoyé des maquettes. Tu faisais surtout la musique? Je faisais la musique, je faisais tout, les paroles, j'avais la direction artistique, je savais où est-ce que je m'en allais. Avec l'aide des logiciels, il y a du drum programmé, il y a toutes sortes d'outils qui font en sorte que tu peux faire une belle maquette imagée pour montrer au réalisateur où est-ce que tu veux t'en aller. Puis ça a été le fun. Ça a fait en sorte qu'on a pu partir de ces maquettes-là en janvier passé. Puis on a pu construire l'album au complet. Donc, grosso modo, ça fait plus qu'1 an que tu travailles là-dessus, là? Oui, ça fait 1 an et demi. Il y a certaines chansons que ça fait 2 ans. Pourquoi avoir appelé ça la transition? En fait, ça représente bien tout mon passage en sortant de la voix jusqu'à aujourd'hui. Autant la langue, le changement de langue, que le changement de style, que le changement, les remises en question, je trouvais que c'était une belle image. Ça représentait bien cette période-là de ma vie. C'est ton premier vrai album? Oui. Parce que les autres, c'était des mini-albums, ce qu'on disait en anglais principalement. Donc, la transition, première. Et pourquoi as-tu fait le choix de le faire en français? Bien, en fait, en sortant de la voix, j'ai commencé à composer en français parce que, comme je disais tantôt, c'était un challenge pour moi. Je trouvais que c'était intéressant. Je n'avais jamais fait ça. Puis j'y avais pris goût à la voix. Puis j'étais rendu à un point que j'avais autant de bonnes tunes en anglais qu'en français. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu un album en anglais? Hybride? Est-ce que je fais un hybride? Finalement, j'ai trouvé que c'était pas assumé de faire un album hybride. Raison personnelle, moi, ouais. Ça peut être différent pour n'importe qui. Mais moi, j'ai trouvé que c'était pas assumé de ma part de faire ça. Je me suis dit, je vais y aller all-in avec mes chansons en français. Puis mes chansons en anglais sont encore là. C'est pas grave, je peux les faire plus tard. Je trouvais ça important de faire un passage de 12 tunes en français. Qu'est-ce que ça raconte? C'est très introspectif comme album. C'est très folk. Et c'est un album qu'on voit l'environnement dans lequel je l'ai créé. Je l'ai fait tout seul, à mon ordinateur, dans une pièce fermée. C'est très petit comme album. Il y a beaucoup de vocales très personnelles. C'est quasiment chuchoté des fois. C'est... Je dirais personnel. Je parle des sujets un peu plus de ma vie privée, sans nécessairement être un peu partout sur la table. Oh oui. Mais
une petite gêne, là. Quand même, oui, que j'avais pas en anglais, que j'étais un peu plus... mes textes étaient plus généralisés en anglais, on dirait. Donc, tu dis que c'est des sujets plus personnels, mais qui touchent quel aspect, quel enjeu, ça parle de la transition, ça parle de mes remises en question, ça parle de le plan amoureux avec ma copine, ça parle de sujets délicats comme ça. Est-ce que ça parle d'ex? Non. OK. Non, ça parle de chicane avec ma copine, par exemple, des fois, dans certains textes. Est-ce qu'elle était d'accord avec les textes? Oui, oui. Okay. Oui. C'est pas c'est encore ta copine? Oui, c'est encore ma copine, oui. Je vais juste lire les titres. Oui. As-tu déjà « Pourrais-je te sauver »,« Oui. L'océan »,« Nos petits cœurs »,« Ton sourire est un au revoir », »,« Poussière de Chine »,« Le feu », »,« Bricoler », ça, on va y revenir, « Libre »,« Ton ouvrage est un lion »,« Transition » et « Avec toi ». Oui. C'est les titres, évidemment, des chansons qu'on trouve sur l'album. Parlons de « Bricoler », parce que « Bricoler », c'est donc le premier vidéoclip. Oui. Est-ce que c'est en même temps le single de l'album? Oui, c'est le premier single de l'album. Bon, je l'ai d'ailleurs écouté aujourd'hui. Parlons un peu de l'histoire qu'on raconte dans ce vidéoclip-là avec un type qui s'appelle Robert. Robert Bauduc, oui, en fait, qui a accepté de faire le vidéoclip. Le vidéoclip se passe dans un atelier d'art à Montréal, où est-ce qu'on voit un monsieur âgé en train de bricoler quelque chose dans le vidéoclip, mais on ne sait pas c'est quoi, jusqu'à la fin du vidéo. Puis à la fin, on se rend compte que c'est un cœur, c'est rebricoler un cœur. Donc... ça a été quand même une journée assez émouvante parce que Robert, il est atteint d'un problème de cœur, justement, qui a enclenché de l'Alzheimer chez lui. Ah oui, il y a un lien entre les deux. Oui, je ne savais même pas que ça se faisait, mais il y a eu une opération à cœur ouvert, puis ça a déclenché des symptômes d'Alzheimer. Des symptômes d'Alzheimer. Puis ça a été une journée assez émouvante, justement. À la fin de la journée, tu voyais que ça devenait un peu plus difficile pour Robert, puis... C'était vraiment une expérience incroyable. Qui est Robert Bauduc par rapport à toi? En fait, c'est le réalisateur du clip qui est aussi le gars du label, Jesse Foch, qui s'occupe du vidéoclip et du projet. Quand j'ai raconté le scénario que j'avais imaginé pour la chanson, pour le vidéoclip, il a tout de suite eu un flash. C'est le père de son meilleur ami. C'est le père de son meilleur ami. Ouais. Okay. Parce que la chanson, elle raconte un peu ça. Parce que toi, quand tu l'as composée, tu connaissais pas Robert Bauduc. Non, pas du tout. Non. En fait, ça parlait un peu justement d'une peine d'amour qu'on disait que j'essayais de raconter, que je pouvais me recoller le cœur, le recoller. Puis finalement, ça a eu comme un double sens avec Robert, ce qui redonne encore plus de la vie à la chanson, tant qu'à moi. Donc, on voit le monsieur, évidemment, dans le clip. Oui. Puis le texte colle bien, donc, à ça. Ça colle super bien, oui. Bricoler. Comment s'est passé le tournage en tant que tel? C'est parfois long, périlleux. C'était une grosse journée. Moi, c'était la première fois que je faisais un tournage d'un vidéoclip, un vrai vidéoclip comme ça. Là. On est arrivé à 10h puis on est sorti de là à minuit. C'était une très grosse journée. Plus pour Robert que pour moi, parce que moi, ben, j'ai chanté avec ma guitare. Là. Je fais ça tous les jours, mais... Bien, Robert, c'était « OK, on déroule le parchemin ». Et pourquoi on a fait le choix de cette chanson-là pour le single et le vidéoclip? Quand on est dans le processus de création, puis là, on entre avec la pomme, c'était une partie difficile. Autant trouver l'ordre des chansons sur le disque que de trouver lesquelles qui allaient me représenter, que j'allais présenter au public pour commencer. Ça a été très difficile. J'avais comme 4 prospects, comme on dit. Rendu là, c'était une question. On s'est arrangé, moi et le label, ensemble, on a regardé. On s'est dit, bon, ça serait peut-être un bon choix. Je pense qu'elle est facile d'approche, la chanson. C'est une petite ballade folk qui est peut-être un peu moins edgy que certaines pièces sur le CD qui sont plus. Qui expérimentent plus dans d'autres facettes. Je dirais que c'est une des pièces les plus accessibles de l'album. Quand on regarde ça, on est en 2015. Évidemment, tu arrives avec un album physique. Oui. Mais majoritairement, on sait, le monde y arrive, ils vont le scanner pour le mettre après ça dans leur téléphone ou ils vont l'acheter directement sur iTunes ou Google Play ou Archambault, ou comme on veut. Vidéoclip, oui, c'est encore utile. Il y a Musimax, il y a Musique Plus et tout ça. Ça n'a peut-être plus la même portée que ça avait dans les années 80-90. Toi, comment tu vis avec ces moyens de communication-là? C'est-à-dire que, est-ce que pour toi, c'est encore important d'avoir un CD physique, d'avoir un vidéoclip? Est-ce que ce sont des outils qui sont encore utiles pour un artiste aujourd'hui en 2015? Moi, j'aime beaucoup ouvrir un CD puis lire les paroles, voir qui a collaboré sur la chanson, le artwork aussi, toutes les illustrations. Old school, oui, mais en même temps, je suis comme un hybride parce que j'achète beaucoup de musique sur iTunes aussi parce que j'ai scrap mes CD. J'ai scrap tout le temps.
Fait que je garde les pochettes, mais je n'ai pas les CD. Fait que je fais un peu des deux. J'essaie d'alterner entre les deux. Mais je trouve que, justement, avec Internet, je trouve que le vidéoclip a encore raison d'être à cause de ça. Sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube. Surtout YouTube, oui. Plus que Musique Plus, quasiment. Pas mal plus, je pense. Ouais. Les gens ils ont accès à ça directement. Ils ont juste besoin d'écrire Jeffrey Piton, puis ils tombent là-dessus. Tu sais. Et moi, je trouve que ça a encore raison d'être. Là, ton vidéoclip, les gens peuvent le voir, même oui. À partir de ton site web. Absolument. Je ne sais pas à combien tu es rendu de views. Là, la dernière fois, j'ai regardé, j'étais à 6 000. 6 000? Oui. Mais là, ça va monter quand même assez vite. Là. Ah, j'ai pas d'attente. Moi, je suis agréablement surpris quand il y a des affaires qui arrivent. Puis... Donc ça, dans le fond, le vidéoclip et le CD, c'est ta carte de visite. Absolument. Là, évidemment, on est dans l'industrie de la musique, dans l'industrie des stations de radio dites commerciales. Oui. Qui monopolise, dans le fond, la majorité des stations au Québec, là, principalement le groupe Bell Media ou le groupe Cogeco. Comment on arrive à faire sa place là-dedans pour souhaiter que notre toune joue en ondes sur une des stations? Ça, d'ailleurs, la chanson Bricolée, est-ce que c'est plus Rythme FM, Rouge FM ou c'est plus Énergie, c'est quoi? Bien, en fait, c'est un hybride, encore une fois, des deux. Ça, tu veux que ça joue aux quatre places? Bien, là, ce qui est le fun, ouais. C'est que justement, la chanson se prête bien à plusieurs audiences, je pense. Justement, c'est quoi? Ça a été les premiers à embarquer la chanson à Montréal. Puis Rouge FM vient juste de l'embarquer. Fait que, tu vois, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Énergie, je pense que c'est peut-être un petit peu trop doux. Je pense qu'ils ont pris un virage rock. Mais c'est pas évident. Il y a tellement beaucoup d'offres. Il n'y a pas beaucoup de demandes dans la musique de nos jours. Mais quand tu composais les chansons, paroles et musique, la production, oui. Tout ça, est-ce que tu avais toujours en tête... Pas de te dénaturer, mais d'offrir un produit qui allait être commercial dans le sens de jouer à la radio. Non, j'ai jamais pensé à ça en composant. Jamais? Ton processus de création? Oui, avant, j'ai déjà pensé à ça quand je commençais dans la musique. Mais pas là? Non, pas tout pour ceux-là. Ceux-là, j'ai juste composé des chansons. Je fais un album aucune valise. À mon goût. J'ai fait un album à mon goût. Il y a des pièces là-dessus qui sont... assez edgy, comme je disais tantôt. Puis tant mieux si ça passe en onde, puis si ça passe pas, tant pis. Je l'ai fait vraiment pour moi, puis rendu là, si quelqu'un l'écoute puis il l'aime, moi, c'est tout un accomplissement. Comment on arrive à financer tout ce projet-là? Parce que c'est quand même beaucoup de sous là-dedans, un vidéoclip, ouais. Ça coûte des sous, etc. Absolument. Comment arrives-tu donc à avoir donc les finances nécessaires pour être capable de monter à bien un projet comme celui-là? C'est une bonne question. En fait, en sortant de la voie, je n'avais pas d'étiquette de disque. En fait, j'en ai pas eu depuis que j'ai commencé. Puis Félix-Antoine, qui est aussi un gars de Saint-Jean, est sur l'étiquette Slam Disc de Verdun. Et justement, Jesse, c'est lui qui s'occupe autant des vidéos que du label. Puis Félix a présenté les chansons à Jesse. Puis Jesse a beaucoup aimé ça. Fait qu'il a décidé d'embarquer dans le projet. Fait que c'est eux qui ont financé l'album et le vidéoclip et toute la commercialisation de l'album. Okay, le marketing, la commercialisation. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Tu as déjà des spectacles d'ailleurs de prévu. Oui, bien là, c'est ça. On essaie de faire un peu comme que j'ai fait en 2013, essayer d'aller se promener un peu partout. À date, j'ai comme à peu près 8 spectacles d'organiser. Mais on essaie d'empiler ça pour pouvoir se promener le plus possible et présenter les chansons aux gens. T'es fier du produit. Là. Vraiment fier, oui. Est-ce que tu avais eu des appréhensions, des insécurités, des doutes? J'avais des insécurités, des doutes. Justement, le fait que j'ai pris un virage 100% francophone, de mon côté, il était assumé, mais c'est sûr que j'avais une crainte on a toujours un peu peur de ne pas plaire aux gens. J'avais peur que les gens pensent que c'était plus ou moins assumé, mais finalement, j'ai eu des bonnes critiques, puis des bons commentaires. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sais qu'en offrant un produit francophone, tu risques de jouer davantage à la radio que l'inverse. Oui. À cause de l'imposition des quotas. Absolument. Donc, les stations de radio ayant l'obligation de faire jouer plus de 60% de contenu francophone le jour, entre 6 h et minuit, c'est clair que tu as plus de chances de passer là que d'être dans la mer anglophone avec les autres produits. Oui, avec le reste du Canada anglais et les États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que d'une couple d'années, à partir du moment où tu es lancé comme artiste. Absolument. Ou là, après ça, tu peux produire un truc en anglais. Absolument, comme j'ai dit tantôt. Comme artiste connu, là. Ouais, ben en ce moment, j'essaie juste de rouler ma bosse puis j'essaie juste de faire des bonnes chansons. C'est vraiment sur ça que je me suis préoccupé. J'ai essayé de laisser faire tout le superflu, justement, des radios ou de ce que les gens s'attendent. J'ai essayé de juste faire des bonnes chansons qui pourraient
peut-être un jour être intemporel, tu sais, puis je suis content de ce que j'ai fait, vraiment. Donc là, tu dis que tu as déjà 8 spectacles de bouquets pour cet été. Est-ce que c'est à proximité? Il y en a qui ne sont pas confirmés encore, mais oui, j'ai l'été chaud cet été. Je ne sais pas s'il est confirmé, mais en tout cas, là, il l'est. Ça, c'est ici, dans la région? Oui, là. Oui. C'est, Saint-Jean sont super gentils de m'avoir invité. Ça, c'est au parc de la Place publique ici? Ou... Absolument, oui. Ça fait une couple d'années que je le fais, puis ils m'ont réinvité encore, puis ils sont très gentils de me faire confiance. Ça va être au cours de l'été, ça? Oui, ça va être au mois d'août. Au mois d'août, oui. On va pouvoir t'entendre ici sur la Place publique. Est-ce que tu as des trucs de prévu, Saint-Jean-Baptiste, Fête du Canada? Non, pas encore. Pas encore. J'ai pas de répertoire de Saint-Jean encore. Il va falloir que je travaille là-dessus. Oui, c'est ça. Mais ça, en fait, c'est parce que souvent dans ces spectacles-là, on cherche un peu l'artiste qui a l'étiquette fléchée un peu. Là, absolument, oui. Avec le petit drapeau et la casquette. Là. Oui. Mais toi, dans ton spectacle, est-ce que tu ne fais que ton matériel ou si tu te permets de faire des petits covers? Parfois, j'essaie d'incorporer des covers que je révisite à ma façon. Je trouve que c'est un beau clin d'œil, c'est le fun. Comme quoi? C'est quoi les chansons qui te font triper? Bien, récemment, j'avais repris une chanson des Bee Gees, « To Love Somebody ». Je l'avais complètement reviré de bord. Il y a la chanson des bébés aussi que j'avais faite à la voix. J'adore ça, faire ça. C'est quasiment comme composer, dans le fond. Donc, dans le fond, c'est le message que tu envoies, c'est que tu es disponible, là. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut te booker, c'est comme là que ça se passe. Absolument. Là. Parce qu'après ça, une fois que l'été va être passé, tout ça, là, les bookings se font quand même assez rapidement. Là. Absolument. Et comment vois-tu ton automne et ton hiver? Honnêtement, je ne sais pas encore. Puis j'aime ça de ne pas le savoir. On dirait que le lancement est passé, le disque est sorti. Je reprends le temps de respirer un peu parce que ça m'a comme stressé tout ce qui se passait. Je me fais pas d'attente. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, pas d'attente. On va peut-être fond, des spectacles. Mais en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir me réserve. On va suivre le vent, dans le fond. C'est absolument. Si le vent t'envoie là, il t'enverra là, puis ainsi de suite. Donc, tu te laisses porter sur ta destinée. Oui. Puis, est-ce que tu penses déjà à un deuxième album, à un deuxième spectacle? J'ai commencé à composer un peu plus tranquillement, mais j'essaie de savourer le moment en ce moment, puis de... Je réécoute le disque, puis je suis content de ce que j'ai fait. Mais c'est sûr que je vais en faire un bientôt. En français? Je pense que oui. Je pense que je vais en faire. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que je vais en faire un autre en français. Fait que finalement, aujourd'hui, le français, ça te fait plus peur comme avant? Là. Non. Non, j'avais le vertige quand je pensais au français en composition. Maintenant, c'est une partie plaisir. J'aime ça. Parce qu'en réalité, toi, rappelle-nous un peu tes origines, parce que tu parles bien... Ben, je suis bilingue. Mes parents sont francophones, mais mon père était dans l'armée, donc j'étais à Kingston, puis en Ontario. Donc, tu as baigné... J'ai baigné un peu plus dans l'anglais tout en grandissant. Ouais. Puis pour les jeunes, c'est un peu plus sexy en anglais, on dirait. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui... Mais c'est parce qu'il y a plus de choix aussi. Ouais, c'est ça. Il y a tellement d'artistes à travers le monde. Tandis qu'au Québec, il y en a moins, mais quand on prend le temps de regarder ça, les dernières années, j'ai écouté du Louis-Jean Cormier, de l'Ariane Moffatt, du Malajub, on a beaucoup de talent au Québec. Ouais. C'est drôle, moi, mes enfants ont 18 et 25 ans, puis ils sont encore un peu dans la phase où, tu sais, les artistes francophones je pense que moins c'est une attirés. Ouais. Je ne sais pas à quel moment, on remarque qu'on était peut-être pareil à cet âge-là, là, mais la masse, là, j'entends, mais à un moment donné, on finit par découvrir... Ouais. Qu'il y a d'autres choses, puis qu'il y a d'autres choses en français, puis que c'est le fun d'écouter. Il faut juste que tu tombes sur un artiste que tu aimes, puis à partir de là, je pense que ça fait boule de neige. Oui, c'est intéressant. Bien, Jeffrey Piton, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Meilleure des chances donc pour l'album, La Transition, qu'on peut voir bien sûr ici, disponible sur iTunes et les autres plateformes, et en vrai CD, il existe. Ou encore le premier vidéoclip qui est disponible, que vous pouvez voir en format YouTube, via d'ailleurs soit la page Facebook ou le site internet jeffreypiton.com, et quelques spectacles, notamment celui qui nous a dévoilé en primeur pour le mois d'août, ici même sur la place publique à l'été chaud dans le Vieux-Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous.
Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Les finissantes en arts visuels du Cégep Saint-Jean vont présenter leurs œuvres de fin d'année via une exposition qui va se tenir ici même dans le lieu Saint-Jean du 8 au 23 mai. C'est au 191 de la rue Richelieu, c'est chez Action Art Actuel. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean sur Richelieu. On fait la captation, nous, le premier, troisième lundi du mois. Et avec un conseil, dans le fond, ce qu'on fait, on le divise en deux pour vous présenter des émissions les deux mercredis suivants. Donc, on résume un conseil en une heure, en deux émissions. Ne manquez pas également le télébingo, tous les dimanches matins, 9h30, en direct. La carte pleine est à 2000. C'est au câble 09, à ne pas confondre avec le 609. Et il y a environ 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu. Pour me joindre directement et plus rapidement, plus facilement, vous faites Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet également, voir, revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Pour l'émission que vous regardez, les autres émissions de La Grille. Et également, on vous invite bien sûr à nous suivre et à nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et sur ce, nous, on se souhaite bien sûr une belle fin de journée et on se retrouve demain pour le prochain rendez-vous d'ericlaton.com. Bye bye.